cet exercice, j'utilise une feuille de papier UART au grain 500 car je vais l'exécuter au pastel et je colle ici ma feuille sur ma surface de travail les quatre coins pour qu'elle ne bouge pas. J'ai mesuré à peu près l'endroit où je veux que ma ligne de table se trouve par rapport à mon image de référence. Et petite astuce, petit truc, j'ai tracé la forme du vase en posant une feuille de papier sur l'écran de mon ordinateur et en ajustant la taille de l'image pour être à peu près au format de ma feuille A4. Ensuite, j'ai plié ma forme et j'ai découpé. De cette façon-là, j'ai une forme parfaitement symétrique. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de tracer à la main, surtout pour des objets qui doivent être symétriques comme des vases, etc. Donc, petit truc qui peut vous simplifier la vie. Maintenant, je positionne ma forme à l'endroit où je veux. Je veux que ce soit centré par rapport à la feuille. Et je trace avec mon crayon charbon. C'est un crayon charbon assez dur parce que je ne veux pas étaler le charbon sur ma feuille, mais juste marquer l'emplacement de cette forme. et voilà ma forme sur ma feuille. j'utilise un crayon charbon parce que un crayon normal, crayon gris, euh, le pastel peut glisser dessus et ne pas adhérer très bien parce que le graphite est par nature, quelque chose de, de glissant. Et ma gomme malléable pour effacer les lignes dont je n'ai plus besoin. Gomme mi-de-pain qui fonctionne très bien même sur du papier. Papier uart, papier pastel. Je marque à peu près les points où je veux avoir les extrémités de ma nappe. alors pas besoin que ce soit mathématique mais juste respecter les angles et les proportions et l'autre côté la même chose pour euh, le format de cette image j'ai modifié un petit peu le format de la photo originale parce que j'ai une feuille a4 et je veux respecter les proportions à 4 de ma feuille. Donc, j'ai coupé, sélectionné ma photo de référence selon un format 21 à 29. Ça rend la peinture beaucoup plus simple si vous avez le même format pour votre photo de référence que celui de la feuille. Les proportions vont être beaucoup plus exactes. Voilà, et ça c'est ma nappe. Et en gros, c'est la structure du tableau. Je ne vais pas marquer l'emplacement des fleurs parce que ça va se faire de façon beaucoup plus simple. Je prends ici un bloc euh, qui est un bloc de peinture acrylique j'utilise beaucoup j'aime beaucoup utiliser ça avec les pastels comme euh, sous peinture comme sous couche et vous voyez ce bloc euh, ben ça ne fait pas grand chose on dirait comme ça quelques gris bouillis mais c'est extrêmement pigmenté et coloré une fois qu'on rajoute de l'eau et j'aime bien cette couleur ocre je trouve que ça va être un un bon point de départ pour cette couleur de cette table qui est une couleur ocre chaude maintenant un pinceau aquarelle et simplement de l'eau et vous voyez comme ce pigment se liquéfie et donne un, une couvrance absolument lumineuse et très très pigmentée très riche en pigments donc comme j'ai dit j'aime beaucoup ces blocs pour cette raison là très simple à utiliser et très très bel effet le but de cette étape là c'est de bloquer ces espaces où on ne veut pas avoir de blanc on ne veut pas avoir de blanc de papier et souvent, les pastels, quand on les applique, vu que c'est de la poudre, il n'est pas toujours évident de combler tous les endroits et avoir une couvrance parfaite. Donc, plus vous pouvez éliminer le blanc dans cette première couche, mieux c'est. Ça va vous rendre l'utilisation des pastels beaucoup plus simple. Je prends maintenant mon set pastel qui est très bon marché. Je n'utilise pas ces pastels pour peindre, mais pour faire cette première couche de sous-peinture. Les couleurs sont très belles, très lumineuses, très saturées. Mais le seul reproche que j'ai c'est que ces pastels sont assez durs. Et ils font penser un petit peu à la craie scolaire. Donc ils ne sont pas très, très mous ou très, très doux à appliquer. Je choisis du bleu foncé et du noir parce que mon fond a vraiment besoin d'être très foncé. Et en général, je n'utilise pas de noir. Mais. Ici, vu qu'on veut créer vraiment une image avec beaucoup de contraste, je vais faire exception à ma règle et utiliser du noir en mélangeant avec du bleu. Et ici, à nouveau, le but, c'est de combler le blanc du papier autant que possible pour ne pas avoir d'espace de, vide d'espace qui ne soit pas couvert par le pigment. Maintenant, le noir. Et je procède par touche légère. On peut toujours ajouter plus. Mais comme c'est la toute première couche, on peut vraiment aller assez légèrement. Et il y a beaucoup déjà de pigments dans ces, dans ces craies. Là, je mets de l'alcool, c'est de l'alcool isopropylique, de l'isopropanol. Et je vais liquéfier mes pastels à l'alcool. L'avantage par rapport à l'eau, c'est que ça sèche beaucoup plus vite. Et ça me liquéfie aussi ça crée une peinture à un base de nos craies de pastel encore un peu plus d'alcool et je fais quelque chose de quelque chose qui n'est pas uni. Je ne veux pas avoir un fond uni. Et je vais laisser ces marques. Ça ne me gêne pas. Et comme vous voyez, mon papier reste complètement plat. Ça, c'est vraiment un énorme avantage de ce type de papier Youart. Mouillé ou séché, il est complètement plat et vraiment tolère très bien euh, eau, alcool, etc. Je vais maintenant m'attaquer au vase avant de faire les fleurs parce que simplement je veux finir cet objet-là autant que possible avant de m'attaquer au sujet principal qui sont les fleurs. La source de lumière, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, est vraiment primordiale pour dessiner ça c'est trop foncé, pour décider des couleurs et des contrastes sur les objets. Donc ici j'ai une source de lumière qui est très très intense, qui provient de la droite de mon image et je dois trouver les combinaisons de couleurs, surtout les combinaisons de valeurs qui vont donner cette impression de côté éclairé presque presque surexposé et côté plus à l'ombre. Là je prends une petite éponge de maquillage ça c'est un outil très, très, un, très utile très, int très intéressant pour étaler le pastel. Et ça donne vraiment un fini très, très doux. Et ça permet vraiment de combler tous les petits trous du papier. On peut bien sûr faire ça avec les doigts, mais je trouve que c'est plus précis. Et ça donne un meilleur résultat. Maintenant du bleu plus foncé pour la partie qui est à l'ombre. Et là, je choisis une couleur un peu plus mauve pour accentuer cette partie à l'ombre. Et à nouveau, j'étale. Alors, vous allez peut-être pas forcément trouver dans votre set de pastels exactement les mêmes couleurs que sur ce vase. Ce n'est pas grave, il faut simplement choisir des combinaisons qui vont ensemble et les différences de valeur des températures qui vont vous pouvoir qui vont nous aider à créer cette impression de partie ensoleillée, partie à l'ombre, la même chose ici, partie plus foncée simplement combler cet espace pour ne pas le laisser blanc et ce que je fais c'est que je observe simplement la forme de ces ombres sur l'objet, et j'essaie de reproduire ces formes avec mes couleurs. Ce pas plus compliqué que ça. Là, à nouveau, très utile ce petit outil pour combler, pour étaler mon pigment. Et. Je veux avoir une marque plus prononcée pour cette ombre. Par contre, ici, ça peut être plus doux. Donc des contours plus doux. Et ici, une ligne beaucoup plus dure, un contour beaucoup plus dur pour cette ombre-là. Plus de foncé vers la base. Il a un bleu très très clair pour marquer cette ombre, pardon cette partie qui est éclairée. Donc c'est vraiment la différence des valeurs qui fait qu'on perçoit un objet en 3D et pas la différence de couleur. C'est vraiment les valeurs qui donnent l'effet 3D. Donc c'est pour ça que je dis avoir exactement les bonnes couleurs, moins important que trouver la bonne différence de valeurs pour donner cet effet. Soleil, ombre et objet illuminé. Donc, c'est un processus un peu itératif. Euh, si vous faites cet exercice chez vous, vous allez voir qu'il faut simplement essayer et continuer si vous le faites au. À l'huile, à l'aquarelle, à l'acrylique, au pastel. Il faut simplement essayer de trouver les bons angles, les bonnes valeurs. Et voilà, je décide de rajouter plus de foncé sur la gauche qui euh, crée tout de suite. En effet, beaucoup plus 3D et estompé vers l'avant. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Et les doigts sont aussi un très bon outil pour estomper les pastels. Simplement, c'est moins précis que la, la petite éponge que j'ai là. Et là, le reflet, comme vous voyez à gauche, reflet de la nappe, même à la partie qui est à l'ombre de notre vase. Maintenant, je vais faire l'ombre. Avec un lilas pourpre assez foncé, mais vous allez voir que ça va exactement nous donner l'effet désiré. Donc je trace simplement à peu près en suivant à peu près mon image de référence quelque chose comme ça. Et comme j'ai du blanc en dessous et cette couleur ocre et eh bien automatiquement je vais avoir une ombre qui est de la bonne couleur sur le blanc et qui est de la bonne couleur sur l'ocre parce que l'ocre transparaît un petit peu un petit peu à travers cette couche de pastel et le blanc également donc très simple Voici mon ombre. Et des contours très nets pour cette ombre. Donc, je laisse sans estomper. Je veux rajouter un peu de pastel aussi à ma surface de, de table et j'opte pour un... Un brun, ocre, orange. Je ne vais pas. Le but n'est pas de couvrir tout. Parce que j'ai déjà une sous-peinture, une sous-couche qui est assez pigmentée. Mais juste donner un petit peu de variété à cette surface. Et rajouter cette, ces marques pastels qui sont vraiment typiques de, de ce type de technique donc étaler un peu mais pas trop pour ajouter cette couche de poudre pigmentée Là, il s'agit d'un jaune rose très très clair. C'est quasiment du blanc. Je vais remplir cet espace de la nappe avec cette couleur qui est presque blanche, mais qui n'est pas tout à fait blanche. Et ça va aussi permettre d'adoucir un peu ses contours et remplir. Cet espace où la nappe, on ne veut pas laisser simplement du papier en dessous. Voilà quelques ondulés, quelques lignes pour montrer que ce n'est pas un carré plat mais un petit peu de relief. Et voilà, je pense que ça suffit. Peut-être estomper un tout petit peu. Et ce blanc euh, très clair, ce jaune rose blanc très clair, est vraiment là pour nous montrer l'intensité de la lumière par rapport au reste de l'image. C'est vraiment ça qui nous explique à quel point cette lumière est directe et intense. J'utilise le même mélange sur le, le vase pour marquer ces endroits qui sont très très clairs, très très surexposés. Et vous voyez que le contour entre le vase et la nappe se perd quasiment. Donc ces valeurs sont très très proches. Voilà quelques marques juste pour montrer ces reflets très très clairs. j'essaie de finaliser ce vase autant que possible mais je vais revenir et faire quelques touches finales vers la fin. C'est juste suffisant pour maintenant pour pouvoir m'attaquer aux fleurs. Je vais choisir maintenant des couleurs assez foncées. Pour bloquer les parties qui sont à l'ombre. Et là, je n'ai pas vraiment de tracé de mes fleurs. Je regarde mon image et je place les ombres, les zones d'ombre. Et bien sûr, on ne dessine pas chaque fleur individuelle. On dessine les formes, les masses. Et c'est ça qu'il faut essayer de capter. Et pour moi, c'est plus important de dessiner cet ensemble de fleurs et de représenter cette atmosphère de lumière qui touche ces fleurs que la ressemblance exacte à la photo. Donc, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à sont exactement mes fleurs Je suis la structure générale parce que je trouve qu'elle est déjà très équilibrée, mais je peux dévier de cette structure si ça me ça me parle. Maintenant, du mauve beaucoup plus foncé, nouveau pour apporter de la variété à ces zones d'ombre. Et je commence à poser simplement la structure de ce bouquet, les zones les plus foncées d'abord. Superposer les couleurs foncées les unes à côté des autres va donner cette impression de profondeur à votre image. Je pense que c'est exactement le même mauve. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux dans ce set, mais je pense que c'est la même chose. En tout cas, je ne vois pas de différence. Et vous voyez que je fais des mouvements euh, très euh, aléatoires, je dirais. Je n'ai pas vraiment de. J'essaie de faire des marques qui vont dans différentes directions. Et comme j'ai dit, je ne dessine pas les feuilles, mais je dessine, euh, pardon, les fleurs, mais je dessine ces taches qui vont nous donner cette impression de bouquet de fleurs, de lilas. Et progressivement, j'avance vers des valeurs plus claires. Donc ici, un rose, un peu plus clair que ce que j'avais déjà. Et euh, maintenant, chaque tableau passe par un stade moche, milieu de tableau, où euh, on n'est pas encore. on n'a pas encore fini, on n'est pas encore sorti de l'adolescence. Et là, je pense que je me trouve exactement à ce stade-là. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser ce stade moche que pratiquement chaque tableau. Va avoir. Je décide de bloquer plus mon fond avec du noir. Ma couche de pastel liquéfié est, est trop claire à mon goût. Et en général, comme j'ai dit, je n'utilise pas de noir, mais pour arriver à cet effet de contraste, il faut vraiment que je rajoute. Du noir. Et ça me permet aussi de marquer un peu l'espace entre les fleurs, de préciser un peu les contours. Également à l'intérieur du bouquet, là on voit que. on voit l'arrière-plan. Et bien sûr on va rajouter des tiges. Ça, c'est juste quelques emplacements pour les tiges. Donc, je continue à appliquer mon... Voilà, là, je, fais... je peins avec ma main gauche. Ça m'arrive souvent de changer de main, si c'est pratique. Et ici, j'utilise un petit morceau de mousse de plastique, souvent des mousses d'emballage. C'est un outil qui est très pratique pour étaler et estomper vos pastels sur des plus grosses surfaces. Voilà, et quand on a besoin de plus de précision, cette petite éponge maquillante est l'outil idéal. Donc je combine les deux. Voilà, mes mains sont assez noires maintenant. Et on peut continuer avec les fleurs, donc on a maintenant quelque chose de beaucoup plus défini pour ces fleurs. Ce fond noir qui n'est pas noir 100%, mais quand même très foncé, et bien c'est ce qu'il faut pour donner cette impression de luminosité. L'intérieur voilà, du vase est bien sûr plus foncé, donc on va profiter de ça. Alors je ne vais pas faire de bord maintenant, je vais le faire un peu plus tard. Et je prends une valeur encore plus claire pour marquer l'emplacement de fleurs qui sont touchées par le soleil. Donc vous voyez des touches vraiment très impressionnistes. On ne dessine pas les fleurs, mais vraiment l'impression des fleurs. Et bien sûr, ce qui est important, c'est où vous placez l'éclair par rapport au foncé. Donc, je m'en réfère à ma photo de référence. Mais c'est vraiment... La logique à suivre du plus foncé vers le clair est toujours faire attention à la source de lumière. D'où provient-elle et qu'est-ce qu'on voit Pourquoi certains endroits sont plus éclairés que d'autres encore une valeur plus claire. En fait, il s'agit pardon d'un beige très clair pour les tiges. Donc cette couleur là pour indiquer l'endroit qui est ensoleillé, éclairé. Et Quelques tiges, ça suffit simplement pour marquer l'emplacement. Juste pour indiquer que oui, il y a des tiges qui connectent ces fleurs et les tiges sont dans le vase. C'est toute euh, l'information dont on a besoin. On n'a pas besoin d'en faire trop. Quelques bouts peut-être par-ci, par-là. Maintenant un brin plus foncé pour montrer la partie qui est à l'ombre. Donc très simple, dessinez une tige, ensoleillée, prenez deux valeurs différentes, couleurs suffisamment proches mais valeurs différentes, et vous voyez on a l'impression que ces brindilles sont éclairées d'un côté et à l'ombre à l'autre. Voilà, c'est tout pour mes tiges. Je vous mets en descriptif des vidéos le lien vers tous les produits que j'utilise. Ce set pastel est relativement bon marché. Il contient beaucoup de couleurs. Comme vous voyez, je l'utilise beaucoup. Et euh, en fait, je trouve que ces pastels sont moyennement euh, durs et ne s'usent pas vraiment beaucoup. Par rapport à des pastels sonneliers qui sont très très souples. Qui sont bien sûr une euh, qualité exceptionnelle, mais qui sont très très chers. Euh, je trouve que ce kit est vraiment un très bon compromis entre la valeur et également la durabilité de ces pastels. Vous pouvez vraiment faire beaucoup beaucoup d'images avant d'arriver au bout d'une couleur ou de quelques couleurs. Et euh, je dirais que ces pastels-là, ce sont ceux que j'utilise la plupart des fois pour faire des peintures. La seule fois où j'utilise des seneliers, c'est vraiment pour faire des touches finales, quelques marques, parce que ces pastels sont vraiment extrêmement souples et extrêmement lumineux et pigmentés. Donc parfois, on a besoin de ce pastel très, très doux, très mou qui va vraiment permettre de faire ses touches finales, qu'un pastel meilleur marché ne peut pas faire. Mais ce kit-là que j'ai sur l'écran est vraiment... Si vous n'avez jamais fait de pastel et que vous hésitez, je vous recommande de commander ce kit-là parce que c'est vraiment excellent. Une excellente combinaison de couleurs et excell excellent rapport qualité-prix. Euh, le set que j'ai montré avant, le set Faber castell qui n'est... où j'ai dit la qualité est moindre je ne vous conseille pas de l'acheter sauf bien sûr si vous voulez l'utiliser comme moi comme euh, sous-couche, sous-peinture mais si vous voulez vraiment essayer les pastels ce kit là que j'ai est extrêmement est un, est un très bon produit pour euh, se lancer, pour démarrer vous avez assez de couleurs pour peindre à peu près tout ce que vous voulez. Je continue à avancer vers la valeur de plus en plus claire et marquer ces endroits où le soleil tape. Je veux marquer, donner vraiment cette impression de luminosité. Et bien sûr, on ne peut pas peindre la lumière, mais on peut peindre l'impression de lumière en jouant sous les, sur les contrastes sur l'échelle de valeur. Donc toujours la même échelle de valeur. Je sais qu'on en a parlé au tout début de ces leçons. et bien, on revient toujours vers l'échelle de valeur. Parce que c'est vraiment les valeurs qui font tout le travail dans un tableau. Vous avez déjà peut-être entendu dire que les couleurs ont toute l'attention, mais c'est la valeur qui fait tout le travail. Eh bien, c'est... Cet exercice est vraiment une très belle illustration. C'est exactement le cas. Les, les valeurs, les différences de valeurs nous permettent de créer cet effet de luminosité. Rien d'autre, pas les couleurs. Bien sûr, les couleurs sont belles à regarder. C'est pour ça qu'on aime peindre les fleurs. Mais si vous voulez avoir un effet de luminosité, et eh bien, c'est cette différence de valeur qu'il faut chercher à tout prix. Donc là, j'ajuste simplement mon image. Je trouve que ça manque de foncé, ça manque de clair. J'ajuste au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à combiner différentes couleurs ou ajouter différentes couleurs. Tant que vous restez dans la même famille de couleurs homologues, ce qui est le cas ici, on est dans le rose, lila, violet. Tant que vous restez dans la même famille de couleurs, elles vont s'harmoniser ensemble. Donc, le fait de prendre une valeur plus claire. Rose ne va pas casser l'harmonie de mon image. Voilà, j'en ai fait un peu trop, peut-être de ce côté-là. Mais vous voyez là, je décide de dévier de l'image et rajouter une partie éclairée en plus. Et comme j'ai dit, processus vraiment itératif quand vous peignez ça chez vous. Euh, bien sûr, vous pouvez suivre la démo, mais je pense qu'il faut se détacher de la démo et simplement essayer d'appliquer les principes qui sont marquer l'endroit à l'ombre et progressivement s'avancer vers des valeurs plus claires. Je vais marquer l'emplacement de ces quelques feuilles. Je prends un vert assez clair parce que ce, ces feuilles sont illuminées par le soleil. Et euh, je ne vais pas faire dans le détail, mais simplement faire quelques marques vertes par-ci, par-là pour donner cette impression de, de feuilles de verdure et également un peu autour des tiges parce que je pense que on a aussi pas mal de vert dans les tiges Elle voilà, adoucir, estomper quelques contours et peut-être ajouter quelques touches plus claires ici. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu ce foncé à l'intérieur du bouquet, c'est ce que j'essaie de restaurer. Et bien sûr, ajouter des touches très claires à côté du foncé va renforcer le, le foncé et le clair. Ce sont des choses qui vont s'aider mutuellement. Le foncé va apparaître plus foncé et le clair plus clair. Encore une valeur très claire, presque blanc, mais toujours dans les roses. Et à ce stade, mon papier est déjà assez saturé de pastel, donc si je veux laisser des marques, je dois appuyer assez fortement. Donc j'arrive à peu près. Au bout de ce que mon papier peut contenir. Et chaque papier est différent, bien sûr, mais je sais que ce papier grain 500 est un bon milieu, est un bon compromis et pas trop... Euh Rugueux, mais quand même permet de faire des marques de ce style impressionniste et on arrive quand même à faire pas mal de couches de pastel avant que le papier soit saturé. Mais là, j'arrive bientôt à ce stade. Je corrige la forme de mon vase. Et maintenant, c'est le moment de rajouter ce reflet sur le vase. Un jaune rose très très clair le même que j'ai utilisé ici sur le côté pour faire ce bord, cette transition presque perdue. Je vais maintenant décoller ma feuille. Et Enlever l'excès de, de poudre de poussière et je n'ai pas dû utiliser de fixatif ou quoi que ce soit, j'ai simplement utilisé le grain de papier et enlevé l'excédent de poussière. Je décide de rajouter du bleu ou ce lilas très très froid, température froide dans cette partie qui a l'ombre et je trouve que ça aide à harmoniser l'image, le vase et le bouquet de fleurs ayant les mêmes reflets. Maintenant je n'ai pas fait cette fleur en avant-plan sur la nappe. J'ai hésité si je voulais la faire ou pas. Mais je pense que ça rajoute de l'équilibre à la composition. Donc j'ai décidé de rapidement rajouter et garder ça vraiment très simple avec la tige et les feuilles. Rajouter cette petite fleur qui est sur la nappe. Voilà, clair, foncé. Et mon vert. Pour la feuille, une des feuilles et la deuxième feuille. et deux valeurs de vert différents pour donner simplement un peu plus d'accent à ces petites feuilles. Maintenant bien sûr, du plus clair parce que là, je n'ai que des valeurs foncées. Montrer à nouveau que cette fleur est éclairée par le soleil. Et établir un peu le foncé. Et bien sûr, cette fleur a également une ombre, donc il va falloir très légèrement indiquer cette ombre sous cette fleur. Marquer un peu plus ces parties qui sont touchées par le soleil. Juste quelques lignes pour indiquer la forme de ces fleurs. Et estomper un peu l'ombre. Je veux maintenant faire quelques corrections à mon vase je veux rajouter plus de contraste plus de foncé et couleurs froides pour indiquer cette partie qui a l'ombre donc je prends une craie lila et j'accentue cette partie qui est beaucoup plus à l'ombre. Et je vais également corriger un peu la forme de, mon, de mes reflets sur le vase. Et euh, je l'ai fait en fin de journée, après avoir fini déjà l'image. Je suis revenue regarder et ça m'a sauté aux yeux que ce vase manquait de contraste ici dans cette partie foncée et donc je vais corriger tout ça donc laissez reposer votre regard avant de revenir vers votre tableau et voir ce qui peut être corrigé et vous voyez c'est tout de suite mieux donc voilà ce que je voulais finaliser c'est cette ombre transition Voilà, maintenant c'est beaucoup plus proche de mon image de référence et de ce que je voulais avoir. Quelques petites corrections parfois, ça fait toute la différence.